Thomas arrive à la falaise et après que Steffi l'ait interrogé sur sa vie sociale, Thomas insiste sur le fait qu'il se concentre sur son fils. Soudain, Ridge et Taylor arrivent et bien que Thomas et Steffi essaient de rester calmes, ils se précipitent tous dans un câlin. La famille est enfin réunie. Thomas et Steffi s'inquiètent pour leurs parents et Thomas dit qu'il ferait n'importe quoi pour eux. Taylor comment que tout semble bien dans le monde. Elle et Ridge sont enfin de retour ensemble. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu pour chacun d'eux. Thomas demande des détails, comment leurs retrouvailles se sont-elles produites. Taylor se souvient d'être à Aspen et à quel point c'était compliqué entre eux. Puis relaie les moments qui ont précédé Ridge professant son amour et tombant dans les bras l'un de l'autre. Thomas repense alors à accuser Brooke d'avoir appelé le CPS jusqu'à ce que Taylor interrompe ses pensées. Il pose des questions sur la venue de Brooke à Aspen et pose des questions. Brooke n'a rien dit, Ridge ne veut pas parler de Brooke et recommence à flatter Taylor. Plus tard, alors que Taylor, Steffi et Thomas parlent, Ridge voit des papiers avec la photo de Brooke dessus. Il devient distrait jusqu'à ce que le groupe le rappelle. Taylor va aux côtés de Ridge et dit « Nous l'avons fait, Ridge. C'est un autre miracle pour notre famille, ils s'embrassent puis étreignent leurs enfants. » Thomas regarde Taylor et Ridge étreindre Steffi et se dit « En effet, un autre miracle. » Au manoir, Brooke informe Hope que Ridge et Taylor rentrent chez eux aujourd'hui, ensemble, et qu'il vient. Brooke veut des réponses. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé et a besoin de lui parler. Si elle ne peut pas, son mariage pourrait vraiment être terminé. Ils discutent de la façon dont Taylor, Thomas et Steffi ont réussi à creuser un fossé entre eux. Hope essaie de calmer sa mère alors que Brooke pleure « Je veux juste que mon mari revienne. » C'est tout. Elle refuse d'abandonner Ridge. Dans le bureau principal, Cathy et Justin terminent certaines affaires de Forrester, puis ils parlent de la qualité de son travail ces jours-ci. Il a de nouveau gagné la confiance de tout le monde. « J'aime te voir comme ça, » dit Cathy. Après le départ de Justin, Cathy regarde des papiers et voit la signature de Carter. Alors qu'elle rêvasse de lui, Carter apparaît. Les deux admettent qu'ils ont pensé l'un à l'autre, puis la conversation se tourne vers Brooke. Cathy se sent mal à cause de ce que vit sa sœur. Justin revient et il finalise tous quelques papiers. Avant que Justin ne parte, il dit à Cathy qu'il est désolé pour ce que Brooke traverse. Il a entendu ce qui s'est passé entre elle et Ridge. Une fois seul, Carter et Cathy continuent de flirter. Carter admet qu'il a été surpris par ce que Cathy a dit de lui. Elle se demande s'il a déjà pensé à elle. Carter rétorque qu'elle était avec Bill mais Cathy précise qu'elle n'est plus et avec Queen Party. Il est temps pour Carter de commencer à penser à quelqu'un d'autre. Cathy se demande pourquoi Queen a risqué tout ce qu'elle avait pour Carter. Merci, il a répondu. Cathy précise qu'il a manifestement secoué Queen dans son cœur. Elle admet être intriguée et se demande si la chimie était si chaude. Il évoque à nouveau Bill mais Cathy n'a aucun intérêt à relancer les choses avec son par exemple. Carter admet qu'il a pensé à elle. Puis énumère toutes ses bonnes qualités avant de prendre Cathy dans un baiser passionné.